encore ce bon moteur alors. Ah oui, en effet, et puis propre. Waouh. Voilà. Oui, bah, le moteur, oui, il a été. Elle a quel âge la voiture? Elle est de 1969. Une telle propreté, waouh. Voilà, vous devriez voir la mienne, hein, je vais vous l'amener. Hein. Donc le châssis est tout en époxy, changé. Voilà, donc toute la mécanique a été sortie, refaite entièrement. Et, voilà. Et au niveau des pièces, vous arrivez à trouver toutes les pièces? Tout aux USA. Bon, alors les pièces ne sont pas chères, mais c'est surtout les douanes et le transport qui nous coûtent plus cher que les pièces. Et bon, mais ça, on n'y peut rien, on mais bon, voilà. Voilà. Après, on essaie de trouver ce qu'on peut ici, mais c'est pas évident. C'est votre bébé? Ben, disons que j'en ai plusieurs bébés, donc voilà, c'est un parmi. Ben, j'en ai sept voitures. Oh, ben dites-nous alors, allez-y. Non, mais. Sept, comme on veut savoir. Ça c'est en américaine, j'ai que celle-là. Après, j'ai des anglaises, italiennes. Par contre, je n'ai pas de françaises. Ah, allemande, italienne et les italiennes, les anglaises, c'est aussi des voitures, de belles voitures classiques. Et non, mais ce sont que des cabriolets. La seule que je ne voulais pas en cabriolet, c'est celle-ci, parce que justement, il y a le toit qui s'enlève. Donc ça peut faire un cabriolet. Le toit s'enlève. Oui, le toit s'enlève. C'est super, oui. Donc voilà, surtout ça me fait. Cap-Dague, vous allez pouvoir en profiter, vous voyez. Bah, disons, comme on est du coin, c'est vrai qu'on peut en profiter, oui. Merci beaucoup en tout cas. Très très belle voiture. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.